En tout cas, ils ont la moins pas signé. Parce que dans le décor, tout le monde ne se bat pour des sacs à des bisous. La moule, tu as l'action de perdre, ben il y a. Donc, il tire ton choix qui vient aujourd'hui pour le tour de la moule. Il va voir un petit peu qu'il est. La moule, il n'y a pas de tout, mais il y a un peu qu'il est. Qu'est-ce alors, nous merci.
Père très bon, nous remettons entre tes mains l'âme de notre frère dans l'espérance que tous reposent dans le Christ et que tous ressuscitent pour être toujours avec toi. Nous te bénissons pour tout ce que Jean-Baptiste Mubiala Emenea a reçu de toi en cette vie. Nous y reconnaissons les signes de ton amour et de la communion des saints. Dieu de tendresse, accueille notre prière pour celui qui vient de nous quitter. Ouvre-lui les portes de ta maison. Et nous qui restons ici-bas, donne-nous courage et réconfort dans nos paroles d'amitié et dans nos paroles de foi, jusqu'au jour où tu nous réuniras avec notre frère auprès de toi, toi le Dieu des bontés, toi qui prierais pour les siècles du ciel.
Oui, juste pour ne pas répéter, pour tout le monde a dit remerciements. Bon, pour ce soir, je vais simplement dire une chose, nous allons rester là avec les gens. Et pour qu'il y ait de la famille, nous donnera la suite des événements. Merci. Bon, je voulais ne pas passer contre si sous silence les curés de cette grande paroisse de la Madeleine, qui a eu l'amabilité, la bonté, et surtout la patience. Accueillir dans cet édifice. Il nous a fait ce privilège de nous retrouver ici et de célébrer dignement dans la joie les ancêtres de notre frère. On l'applaudit. Ici, à la Madeleine, la messe organisée en la mémoire du King Kester Emenea vient de s'achever. Malheureusement, nous avons vécu quelque chose de très spécial. À la dernière minute, un des frères très influents du célèbre artiste a décidé de façon unilatérale de ne pas laisser la dépouille mortelle de King Kester Emenea être exposée dans l'enceinte de cette église très spéciale qui occupe une place importante dans l'histoire de la France. Un grand monde a fait le déplacement pour rendre un dernier hommage à King Kester Emenea, le patron de Victoria Eleison, et malheureusement, le corps n'a pas pu être sorti du funérarium pour rejoindre ce site religieux qui a marqué l'histoire de la France. Vous pourrez lire la déception sur des visages. Peu importe, des gens sont venus nombreux pour King Kester Emenea, histoire de témoigner à cet artiste les bonnes choses qu'il a eu à faire pour la musique mondiale, internationale, je dirais. Parce que King Kester n'est pas seulement le patrimoine de la République démocratique du Congo. King Kester, c'est un tout. C'est un homme qui a révolutionné la musique au niveau du Congo démocratique, autrefois, disons les choses, autrefois Grand Zaïre. Donc, il méritait quand même un tel honneur. Les mélomanes sont venus, les amis sont venus, ceux qui aiment les bonnes choses sont venus du monde entier, des États-Unis, de l'Europe entière, de l'Afrique aussi. Ils pensaient pouvoir, de façon symbolique, témoigner leur marque d'admiration, leur marque de sympathie à King Kester. Malheureusement, je ne veux pas dire le nom, mais il y a un de ses frères qui a décidé que le corps ne sorte pas du funérarium pour être exposé ici. C'est triste. C'est triste. Jamais vu ça dans le Paris depuis des années et des années. Jamais vu. Non, 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 non